Nous sommes dimanche de C Culture et Société, la chronique culture et société toujours dans la mouvance du 8 mars nous invite à la rencontre des femmes de Sibi, décoratrices de leur domaine d'habitation avec de la peinture 100% locale. Le festival Bokodjan les a mises en compétition. Suivons. En voici une autre rencontre culturelle d'une dimension sociale remarquable. Il s'agit du festival Bokodja, au cours duquel les femmes sont appelées à embellir leur domaine d'habitation. Dans Bokodja, on a Bogo qui veut dire banco et Dja qui signifie l'image. Alors, Bokodja désignerait l'image obtenue à partir du banco. Une activité féminine traditionnelle avec laquelle l'association Bougou Saba entend renouer. Ce concours a pour but de revitaliser un peu cette tradition. Et effectivement, il y a quand même 350 femmes qui décorent leur maison, ce qui est pas mal pour un village comme Sibi, quoi. Nous avons estimé que en créant le festival Bokodja, on pouvait contribuer en quelque sorte à amener la population à prendre conscience des habitations qu'ils ont, à les entretenir au mieux. Au centre du festival Bokodja, l'architecture de terre basée sur l'utilisation des matériaux locaux comme l'argile et le bois. Un forum des acteurs de la construction en terre a permis aux participants de porter le débat sur les enjeux, défis et perspectives de cette architecture patrimoniale. Nous sommes convaincus, encore une fois, que la terre est l'une des solutions pour habiter dans le Sahel. Donc c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger et puis de voir, de questionner la technique et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer et pour promouvoir ce type d'architecture qui répond à de nombreux enjeux actuels. Les participants venus de plusieurs pays ont eu droit à une exposition photo sur les constructions en banco, une autre sur les objets et matériaux qui y sont utilisés et une séance de démonstration des techniques décoratives. Bon, elle dit que même à la maison, chez eux au Niger, il y a beaucoup de filles même qui commencent à déjà bénéficier des dents déjà. Durant un mois, les 350 décoratrices de fortune ont peint les murs avec des couleurs à base d'argile, des décoctions d'arbres ou des bouses de vaches brûlées. Le public a eu droit à une visite des œuvres à travers la ville et le jury, composé de 3 jeunes artistes, a évalué les travaux. Plusieurs participantes ont été primées lors d'une cérémonie. Les critères de sélection étaient basés sur la création, l'innovation que chacune a mis dans son travail, le travail des couleurs, la propriété de l'environnement et également l'innovation technique. Ces techniques représentent une bonne manière pour construire des maisons plus confortables et plus durables. Ces peintures murales offrent à Sibi, la ville de Kamadjan Camara, une beauté authentique qui témoigne à son tour d'un grand savoir-faire artistique des femmes du Mandé.